Chaque réunion, c'est toujours, nous t'en plusieurs millions. Première réunion, il était question de 238 millions. Mais très sincèrement, 238 millions, par contre, il existait sur nos côtés, mais il n'est pas encore arrivé dans le ministère de la Santé publique. Et pas l'impression non plus qu'il arrivé en Haïti. Par contre, on rencontre qu'un terrain avec le représentant UNICEF, là, qui t'a dit les fonds directs de l'UNICEF ont été choisis pour supporter le ministère de la Santé publique à hauteur de 5 millions de dollars. Donc, dans 238 là, il y a 5 millions de dollars qu'on a qui existé. On a eu une rencontre à la primature avec les hauts responsables des Nations Unies, y compris un nouvel envoyé qui avait été délégué par M. Ban Ki-moon après qu'on a insisté pour qu'il y ait au moins cette reconnaissance morale. M. Ban Ki-moon a envoyé un autre envoyé spécial et on a eu une rencontre au niveau de la primature et dans la rencontre ça, on t'a présenté termes de référence en commission de haut niveau qui t'a bien au cadre des Nations Unies, au cadre du gouvernement qui n'est pas seulement ministère de la Santé et qui t'a capable vraiment travailler de manière sérieuse pour que nous t'a capable bien l'argent que Yodin que a ban nous pour aider nous retirer dans calamité. Donc dernière étape c'est que les représentants des Nations Unies y compris l'envoyé spécial t'est retourné à discuter avec le plus haut sommet M. Ban Ki-moon et le Premier ministre puisque tout ça s'est conduit par le Premier ministre et Premier ministre recevoir semaine dernière là une lettre disant qu'il acceptait pratiquement termes de référence de commission que nous faisons et idées de commission. Donc, très bientôt, certainement, eux-mêmes, ils ont choisi les gens qui sont dans la commission en Bopayo. Évidemment, le chef de gouvernement a choisi les gens qui sont dans la commission en Bopano pour nous capables de travailler de telle sorte que les bagailles nous planifiées sont capables d'arriver à terre. Décision qui a arrêté au point de vue gouvernemental et qui est approuvée par le Conseil des ministres. Première décision, c'est que nous avons une commission, ça, la création d'une commission bilatérale de haut niveau, selon les termes de référence, conjointement entendus, pour un accompagnement formel à Haïti dans la lutte contre le choléra. Deuxième point, décision, ça, c'est signature de un accord qui résume l'engagement des Nations Unies pour réduire l'incidence choléra en disant clairement pourcentage de fonds préposés à lutte contre choléra en République d'Haïti et mécanisme de dépenses conjointement entendus pour nous capables de faire pour mettre en application, mise en œuvre, plan opérationnel 2013-2015. Dans l'accord, ça a tout à bien attribution de l'État haïtien. Donc, nous pouvons faire signature d'accord. Ça. Pour qui ça, pour ça a été venu, c'est parce que fond, nous avons gagné la perception, moi je dis bien la perception, que le fonds d'élimination du choléra, 238 millions, c'était un fonds d'Hispaniola. Donc, depuis le fonds d'Hispaniola, il y a une possibilité pour peut-être un penchement de balance. Donc, pour éviter que y ait un penchement de balance, nous avons vu clair dans le fonds d'Hispaniola, quantité d'argent qui pourrait être là-dedans. Troisième décision, c'est la constitution d'une commission permanente de réclamation qui est en fait pour trancher sous tout contentieux entre deux parties en vertu de point 6 de ce document. Point 6, dans le document rapport ça, nous déjoignons un point 6 qui est un accord qui est signé avec le ministère qui dit clairement que faut qu'il y ait une création d'une commission permanente de réclamation pour toutes sortes de litiges qui passent seulement choléra, passé et futur possible, qui pour trancher sous tout les contentieux qui gagnent entre Haïti et la MINUSTA. Donc, point 6, document ça, fait état des termes de un article 55 de un accord concernant statut opération des Nations Unies en Haïti, un document que relève SOFA. Quatrième point, c'est un appui technique et financier au renforcement de la réponse aux épidémies et aux urgences. Sixième point, c'est appui à la DINEPA. Toute procédure, tout point, toute décision que nous arrêtons par rapport au gouvernement qui pour guider nous
qui comprennent tout centre de traitement de diarrhée aiguë que m'a parlé là, qui comprennent sensibilisation communauté, qui comprennent règlement sanitaire, respect des règlements du règlement sanitaire international. Et là, je pense même moi crois que faut parlement dans prochaine session hein, capable vraiment voter règlement sanitaire international là, parce que ça outil gens contrarié l'autre jour le recevoir par exemple de un pays qui dit tout haïtien par exemple qui vient pour aller dans pays ça c'est pour faire test tuberculose pour lui y compris radiographie nous prenons comme de rien n'était parce que c'est pays droit pays a pour le faire vrai mais nous mêmes règlement sanitaire international là nous pouvons jamais voter qui pour bande droit pour demander ce genre de bail ça. Or, nous adhérons à règlement sanitaire international. Là. Donc, je pense qu'il faut parlement acheter sur règlement sanitaire international là, pour permettre nous-mêmes tout, nous capables d'exiger au moins une carte de la santé pour citoyens capables ici, une carte de vaccination pour contre certaines pathologies, pour citoyens capables ici, pour nous pas cap, pour nous dans les normes de la légalité pour nous. Là, par exemple, nous sommes pays pauvres, c'est comme ça pour nous réfléchir. Oui, c'est vrai. Nous avons mis des entités qui sont les PRO, mais PRO, ça ne veut pas dire pour nous là-dedans une structure qui, une fois l'argent, le projet est allé, et puis le ça n'a pas été encore. Donc, je pense que c'est comme ça que nous obligés à réfléchir pour nous être si capables de résoudre le problème nous-mêmes avec les moyens que nous gagnons. L'autre bagaille, je vous dit par rapport à listing partenaire. Nous avons plusieurs rencontres. Il y a des engagements qui prennent tout le monde qui paraît prendre des engagements verbaux, si je ne peux pas dire comme ça. Mais en réalité, même de ça que je connais qui existait et qui vraiment sur papier, que heureusement, je suis accord avec M. Dr. Kim, qui est président de la Banque mondiale, là. Le mois dernier, dans la dernière réunion OMSA, il y a 3 semaines que je viens de dire qu'effectivement, il y a 20 millions de dollars pour le choléra. Maintenant, il faut que nous chitons pour nous connaître comment nous allons utiliser 20 millions de dollars. Ça, parce que travailler aussi avec la Banque mondiale, ce n'est pas une histoire simple. Donc, mais, je dois dire, au point de vue engagement concret, parce que même je parle dans le vide, engagement concret, il y a 5 millions de dollars fonds propres de l'UNICEF que nous sommes parlé là. Et il y a 20 millions de dollars de la Banque mondiale qui est réelle. Pour les autres, c'est tout le monde qui comprend en réunion, mais beaucoup, il y a beaucoup de dit nous, mais qui quantité l'argent concrètement qui existait.